Salut les potes! Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va savoir un peu plus sur les fameuses balos de ce foutu tribunal des oufs? Vrai. Aussi, Aigo va nous donner une putain de mission des oufs. Vrai, un truc de fou malade, encore plus que d'habitude des oufs. Vrai, on va buter des mecs sur un bateau des oufs, un bateau de riches des oufs. Ouais, c'est des malades ces gens-là des ouf. Et même que qu'est-ce que les cops vont nous poursuivre jusqu'au bout des ouf. Ouais. Ils vont aller jusqu'à nous suivre du cul à du cul des ouf. Ensuite, les triceratops vont nous faire mal. Ouais. Après, qu'est-ce que ma dulcinée, elle va me sortir de la merde des ouf. Ouais. Puis après, on va faire les préparatifs de Koski du mariage des oufs. Ouais. Je vous explique tout ça des oufs. Pas de soucis, bonne Quartier, soirée. Au quartier, on a la Merci police mon au pote deux des Hugo, oufs. hein, d'accord? Commencez pas à traîner partout là, Glendale. Vous faites péter, c'est tant pis pour vous, je vous laisserai Ouais, crever. non, mais on s'est mangé une voiture de 18, là, ils nous ont démonté la caisse, on fume, Ouais, on bénisse là. vas-y. On a appris de ces trucs avec les Crips. Il y a les Grimm qui ont balancé que c'était les Bloods. Et les SOA qui leur ont tiré dessus pour le laboratoire quand ils se sont fait choper ces chiens. Comme ça, t'as encore plus moins bonne tête qu'avant ton histoire, c'est ça? Casse les couilles, hein, ça, franchement. Je crois pas que c'est plus des oufs parce que d'après ce que Gimsu il a dit des oufs, vraiment il y a moins de trucs sur ma tête des oufs. Ouais. J'ai mis un coup de pression à l'avocat, moi. T'as retrouvé qui c'était? Bah ouais. Merci parce que Oh, tu feras que tu me files le 8 aussi après dès que tu peux, s'il te plaît. Ouais, ça va quoi le job? C'est vous comment on pète des off? Je t'ai encore validé dans la street ou quoi que ce soit? Je te vois encore te passer devant moi un putain de rendez-vous, je t'arrache ta glock, je la mets dans ton cul. T'as capté maintenant ou pas? Tu te mets derrière. Ah on dit! Je lui explique comment ça se passe! Les petits, tout le monde derrière moi là! Oh Dieu! Dépêche-toi! Je parle français maintenant, ok? Y'a que mes gradés devant! Dans ce que tu non mais attends, eux ils viennent au rendez-vous, tout le monde qui passe devant moi, ils croient que c'est la cour de récré. Je vous enculé sévère, au rendez-vous c'est Cali ma gueule! Bon, calibre 50 pour en mettre un ou deux dans le rangement? Comment quoi, Hugo? Pas bien toi, Hugo! Bah, ça va, tranquillou. T'as l'air tendu un peu, je suis trop tendu. Bah écoute, il a fallu une heure pour que je passe tous les rendez-vous parce que Mood, quand je suis pas là, impossible. Ouais, je suis un petit peu tendu. En plus de ça, là, il y a des petits qui se prennent pour des grands que je vais couper les jambes directement. Ouais, cash, clair et net. Oh, petite balle de calibre 50, ça arrache un tendon extrêmement facilement, Hugo. De comment ça se passe? Bien derrière la cuisse. Dis-moi tout, Hugo. Bah tu vois là pendant la petite demi-heure que t'as pris moi, j'ai sauvé ma propre vie deux fois. Quoi ça, t'as sauvé ta propre vie deux fois? Ouais. Le mec qui s'était fait aller la dernière fois là, où on a été le choper avec tes boucs dans la maison là. Ouais. Eh lui c'est ouf, son daron déjà, tu vois, il m'avait dit que son fils était là. Et le fils il m'a dit quoi? Tu peux demander à tes petits boucs? Il m'a dit ouais, Hugo, mais vous connaissez pas mon nom, il a pas dit. Hugo, directement. Il a dit, ouais, de toute façon, il y a mes cousins qui sont en ville. Je dis, quoi que tes cousins de quoi? Wesh. Elle m'a dit, ouais, t'inquiète, ça, on est là. J'essaie de le faire cracher le morceau, mais regardez ce fils de. Comment on dit déjà ce fils de poulpe, là. Ouais. Qu'est-ce que je soupçonne, moi? C'est que, tu vois, ils sont là, ces incoups, t'as eu? Parce que le fait que là, depuis 2 jours, j'ai des bugs qui me courent ça pour un bagnole, que c'est d'attentat à ma vie, je me dis que quelque part, tu vois, il n'y a pas de lien. C'est peut-être un lien de cause à effet, t'as eu. Ok. Donc en gros, t'as des bugs qui te pourchassent partout. Ouais, mais en quoi je peux t'aider, moi, là-dedans? Ouais. Tu veux venir habiter dans le quartier ou quoi? Non, je veux qu'on la tue, go. Tous. Ce que d'aller. Tu veux encore qu'on bute des mecs? Alors tu vas me dire, ouais, Hugo, tu me demandes tout le temps de tuer des gens. Mais quelque part, Hugo. T'as pas tort, j'ai envie de te dire. Ouais, j'aime bien qu'on tue des gens, Hugo. Enfouraillé, prendre des fourraillés, tu vois ce que je veux dire?
Je vais aller voir un petit informateur là, parce que je crois que je sais exactement où est-ce qu'il se cache ces petites balles tringues d'arrêt, tu vois ce que je veux dire. Ok, d'accord, tu veux qu'on te suive en voiture, c'est ça? Ouais, go. Déjà, si t'as 2-3 de tes boucs qui peuvent prendre ce que j'ai mis dans le coffre de ce truc là-bas, là, je pense que ça va nous servir, t'as Attends, y'a quoi? Attends, je vais ouvrir le coffre. Allez, ouvre le coffre. Il t'a pas dit d'arrêter de courir ton OG toi? Bah c'est bon, c'est toi qui... Ouais mais il t'a pas dit ouais cours quand tu montes ou quoi? Il t'a dit d'arrêter de courir, tu te remets une balle dans le genou quoi? C'est bon, c'est bon Hugo. Allô? Ouais. Quoi? Oui? Quelle urgence? Allez, on y va Hugo, je te suis. Ah hey, Hugo, faut des bateaux et des trucs comme ça, non? Mais j'ai pas de bateau moi frère. On y va à la nage? Oh bah sinon moi j'ai des bateaux Hugo, mais faut qu'on passe ta rue à la marina là. Vas-y, bah on te fout à la marina, allez go. Vas-y. Hugo, les beaux tuyaux. Putain, j'ai rencontré des mecs, des Russes. Ils ont parlé de Tabaric. La famille Tabaric. Famille russe, je sais pas quoi. Hugo, il a eu des problèmes avec. Du coup, il s'est fait pote avec d'autres Russes pour aller niquer d'autres Russes. Non mais je te jure il a toujours des problèmes bizarres de ouf. Lui mais c'est le mec qui a le plus de problèmes de la Terre en fait. Au final c'est lui. C'est lui en fait le problème. Chaque fois que tu le vois. Chaque fois que tu le vois il a un problème avec quelqu'un. C'est ça. En vrai tu cherches la définition de problème et la photo vidéo dans le dictionnaire. Hugo, comment ça se passe? On parle ou on parle pas? On parle ou on parle pas? T'as ton avis. Tu vas encore tuer tout le monde? Moi, la discussion, c'est pas mon fort, Hugo. En général, je casse des merdes, tu vois. Vas-y, ok. C'est parler russe, toi. Ok. Allez, les frères, on y va. Donc, Hugo, il a dit on parle pas, hein. Donc, on fait le tour du bateau, on regarde comment ça se passe et. Et puis faites gaffe parce qu'à mon avis à l'intérieur ça doit être ultra vénère hein. Donc pour tous ceux qui ont l'habitude d'aller te baisser, faites attention parce qu'après j'ai besoin de vous pour des trini. Voilà, c'est tout ce que je dis. Du coup il a dit parler c'est pas son fort de ouf. Mais du coup c'est quoi son fort de ouf? Ah parce qu'il s'active des problèmes, il parle pas. Ouais. Avec ton bateau, On voit quelque chose ici ou pas? Non, je vois un hôtel. Je crois que je vois un mec là. En bas, ouais, à l'arrière, on dirait. Je vois un type en haut. Il y en a deux. Oh là là, fait de mettre des hommes, mauvaise idée. Frère, il y a plein de mecs, hein. Il y a plein de mecs, hein, je te le dis, j'en ai vu 5, 6. Bon, il était quoi ce que plus que temps de passer à l'action. On va t'as avec eux, donc ça prend du temps. Je peux poser une question des hommes. Mais si c'est pas ton fort, la discussion des hommes, tu vas discuter de quoi des hommes? Ah bah c'est pas grave, c'est mon bâtard qui va parler avec lui. Ah c'est sûr qu'il est mort des ouf. Faudrait comme ça on est sûr des ouf. Comme ça on est sûr des ouf. Et comme ça on est sûr aussi des ouf.
Vas-y, démontez les tous. Crève. Est-ce qu'il était mort ou t'es vivant des ouf? Voilà comme si t'es mort des ouf. Toi aussi comme ça on est sur des ouf. Vous c'est rien de ouf. J'ai stressé, c'est bien. Oui, t'es une flippette des ouf, c'est normal des ouf. Monte au dernier étage. Pumba. Putain, il flotte tout seul lui là, mais pas besoin de moi. Je suis pas dans mon élément. T'inquiète, venez, on va les emmener faire un tour au cops d'abord avant d'arriver, allez, ça part. Ouais. On a pris la poudre d'escampette. Enfin, je voulais dire la vague d'escampette de ouf. Ouais, bon, on a cherché 37 000 solutions de ouf. Ouais. La foutre en bateau de ouf, c'est pas quoi ce qu'est le meilleur plan. Une fois de plus de ouf, c'était surtout pas le moment. De quoi ce qui me fait rattraper des ouf? Non. Du coup, on a foncé tout droit. Jusqu'à ce que on ait trouvé un chemin des ouf, on l'a pris. Oh là là. L'erreur des ouf. Oh là là. C'est comme si tu prenais une route où il n'y avait que des clous sur la route des ouf. Une chose qui était quoi sur des ouf, on pouvait se fier au talent de pilotage du OG des ouf. Vrai. En fait, c'était pas du tout le bon plan des ouf. Non, c'est Pumba qu'est-ce qui nous a dit de prendre ce chemin-là des ouf, les débiles des ouf. Vrai, c'est quoi ce que je me fais attraper des ouf? Ce sera quoi ce que de sa faute des ouf? Vrai, on réussit à monter tout des ouf? On pense qu'on est libéré des ouf? Et non, ils sont encore là, mes potes. Vrai, ils nous ont pas lâché du pénis des ouf? Enfin, de la bouée des ouf. On a même quoi ce qui failli se planter des ouf? Vrai. Il fallait qu'est-ce qu'on trouve un putain de plan de ouf. Il fallait qu'on réfléchisse tous à comment nous sortir de la merde de ouf. C'est bon qu'on ait une super facile de ouf. Non, on a eu plein de frayeurs de ouf. Vrai. Mais on avait trouvé le plan de ouf. Il fallait juste attendre le bon moment et bien préparer les équipes qui étaient dans les voitures de ouf. À ce moment-là, l'objectif était que tous les bateaux des Bloods des ouf ne forment plus qu'un seul des ouf pour avoir le temps d'arriver ensemble. Donc quand je dis ensemble, c'était ensemble à la marina des ouf où les voitures nous attendaient des ouf. Viens dans le... Merde, ils sont en train de bloquer. Merde. Faut vite aller par là, vite. Attendez. Oui, le brain peut passer, ils ont démarré. Lala, bon bah force hein. Malgré qu'on avait presque tout anticipé des ouf. Non. On avait quand même des voitures sur le cul des ouf. Et là c'était plus boué que de boué des ouf. Non, c'était par choc
contre par choc des œufs. 20-20-20. Là, ça n'allait pas être facile des œufs. Les autres vont bien. Rouge, je t'attends. Tout le monde va bien, les autres, les points. Non, on a une veille à Rocker. Ok, OG, une primo custom full essence qui est prêt parking rouge dans le trou sur l'autoroute. Ok, super. On pourra pas braquer par contre, donc il faudra Percy, qu'il y... Percy, tu veux la prendre ou quoi? Ça va niveau essence et tout. Nous, ça va niveau essence, vas-y toi d'abord. Percy, on prépare d'autres trucs. Écoute, je vais essayer de le faire parce que j'ai 18 litres, je vais la râper jusqu'au bout parce que j'aime pas du tout la primo en course profit. Je peux pas monter sur les bordures et je ne sais pas lesquelles, donc ça me perturbe. Je vais essayer d'aller lui faire des gauches-droites de fils de pute là, ça part. C'est simple, la principale que tu peux monter, c'est le parking rouge côté Arcadius que tu peux monter. C'est la seule porte quasiment. Ah ouais, c'était incroyable hein. Arène, c'est bon ou pas? C'est bon, j'ai pas besoin de la voiture, j'ai mis une tempête. Non, non, c'est pas moi, nous, sur les marins. Vas-y, attends, merci, j'arrive, c'est bon. Arène, c'est Hugo, viens. Vas-y, là, je suis en train de monter l'autoroute, merci. Juanito, suis moi. Tu connais le plan, Juanito? Vas-y, je t'assure, vas-y. De toute façon, c'est simple, tu vas les récup et tu laisseras Percy conduire dans la primo. Percy, tu monteras dans la primo non custom, on avait que ça. Hein. On est 4. Vas-y, vas-y, on est 4. On a deux voitures, tu sais qu'on a. Attendez, deux attendez, attendez. Audi va vous aider, j'ai mis une tempête, j'ai ma Buffalo. Je suis assez chaud au volant ce soir. Quand je vous dis ça, vous savez très bien que vous pouvez me faire confiance. Ok bon, là, c'est mon en place. Prends ma place parce que j'ai pas. J'ai pas avancé. T'as dit quoi, Juanito? J'ai qu'une primo normale, donc si tu pourrais prendre ma place au niveau du parking rouge. T'inquiète, non, c'est bon, écoutez-moi. Vas-y, Juanito, c'est bon. Audi, on va faire le plan et si ça passe pas, on fait un plan. Parce que là, on est déjà en place, ils ont juste à passer. Vas-y, Percy, quand tu veux, parking rouge. Vas-y. Tu passes dans le parking rouge. Faites le plan parking rouge et au pire, Audi, il vient vous aider derrière. Vas-y, on en rêve. Il veut. Percy, t'as la primo devant toi, tu prends en volant et il y en a qui peuvent monter dans ma Glendale. C'est Baka là, on s'est fait péter là. Vas-y, t'inquiète. T'inquiète. Vas-y, montez. Par les marins. Go. Ouais, ouais. Percy, tu prends la primo. Les autres, pouvez monter dans la Glendale, essayer d'équilibrer, pas que vous soyez 4. On se capte, les autres, vous avez tous pour terrain de basket. Je vous parlerai grave au parent guerre. Passez. Allez, frère, tout le monde au terrain de basket, au parent guerre, ma gueule. Ça rigole plus là. Maintenant, j'ai deux lowriders, c'est ce qu'on pourra faire. Tu pourras emmener ta meuf et je pourrai emmener la mienne en lowrider. On ira faire des dates à des plans à 4. Mais qu'est-ce qu'il te fait si je vais l'éviter au restaurant bientôt des œufs? Ah bah vas-y, on ira si tu vas ensemble, j'irai Carlin et toi avec Camille. Du coup, je disais. Oh, on va sortir du hood. Et c'est pas pour tricoter. D'accord. Ce soir, faut savoir qu'on a eu plein de menaces de la part des Lost Trinitarios. Ça fait deux jours qu'ils m'envoient leur gueule à Vainout là, je sais pas quoi. Hein, moi je lui ai dit ces mots. Écoute-moi bien, espèce d'enculé, ça va partir n'importe quand, n'importe comment, et on va t'enculer bien sévère, ma petite gueule. Les frères, on sort ce soir. Aucune pitié. Ça pull up fort, ça fait des poumons, ça fait la misère. Tous ceux qui nous ont cherchés, que ce soit les Crips, parce que les Crips sont les questionnés, que ce soit les Trinitarios, ou que ce soit les enfoirés de Mara 18, on les pull up, ok? Et on est en équipe. Là, j'ai pris un tropico, mais il a un goût bizarre, frère. Ou alors, c'est parce que ça fait longtemps que j'avais pas bu. En fait, c'est spécial quand ça fait longtemps. Ouais, je te jure. Je trouve ça a le goût de médoc, ce truc. Bah, ça reste toute la flotte aromatisée avec de la merde. Ça va, tout de suite. Tu sais ce qu'on donne aux gamins? Tu critiques pas ce qu'il a dit, il fait des ouf ou qu'il boit des ouf. Si il le boit, c'est que c'est super bon des ouf. Ouais, si tu veux pas boire du tropico, fais attention, il va se. Ok. Parce que sinon, je vais te faire obliger de boire du tropico par le nez des ouf. Et tu verras comme c'est super bon des ouf. Ne tremble pas comme ça, c'est pas parce que je l'ai dit que je vais peut-être pas le faire des ouf. On sait jamais. C'est des raisons, c'est vrai, on s'est jamais dit ouf. J'aurais pas vu des trini ou quoi traîner en ville là. Ouais. Frère, tu vas rien. Ah, genre, il te raccroche, il te nargue, il te raccroche au nez, ouais. Ouais. Putain, c'est le reflet d'en face, c'est ça? Non, je crois que c'est le bras droit. Ouais. Oh ben, on va lui couper des œufs, comme ça il saura plus faire des œufs. Ouais, c'est ce que je pensais.
l'état Trinitarius, place des cubes. Avec un rumpo et tout, hein. Avec un rumpo? Ouais, on est à côté du boom. Direction arcade. Ils sont direct de méchant. Vas-y. Otis, quand tu veux, tu nous dis où. Attends, je les attends un peu parce qu'ils ont un peu de mal. Moi je suis en place Little Seoul Bingo moi. Vas-y, c'est bon, on arrive là. Je vais mettre pied à terre directement, on allume hein. Vas-y, on est LTD. Vas-y, là on arrive, on arrive. Vas-y, on est là, on va passer direction la plage. Là, là on passe. Il fait des bitons à la plumeau, fais-moi des bitons. Ah, on va. Sortez, 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 sortez. T'es la nid de la merde, ouf! T'es trop part, con, allez, ref! On est derrière toi? Un peu plus loin, mais on est derrière? Bon, bah, suis, la mini-système aussi de ouf! Moi, je suis moi! Y'a les cops, cette route est de ouf! C'est pas trop ouf! Je vais tous vous laisser là! Y'a les cops, y'a les cops! Y'en a derrière nous. Ouais, ouais, Bingo, ils sont Bingo. Bingo, direction Marina. On a les positions. Gardez bien ça. N'avancez pas trop, soyez pas con. Avancez pas trop, traversez pas la route. Je viens de passer. Ferme ta gueule et vive. Ah, ils sont où là? Ils sont juste au-dessus d'où t'as pris là. Tomba, viens. On est trop dispersés, on va tous se faire enculer hein. Ça arrive pour... Ils sont tous partis à la marina. Marina. T'en face, ça va être... Dans la marina. Faites gaffe que ça arrive près d'un... Bah, faites gaffe par la droite, faites gaffe par le Bingo, ouais. Comment par le Bingo hein. Vous m'entendez? Ok, ça marche, ça va aller, monsieur. Allez, restez avec moi. La une, la deux, la trois. Une, deux, trois. Une, deux. Un. Vous m'entendez? Ça va comment, dites-moi? Ça va pas être très très bien, t'es ouf. Salut. T'as mal où, dis-moi? Je flamme comme la ronde. Casta, qu'est-ce que t'en fais? Je l'ai mis de la morphine pour la douleur, comme à vous tous, mais je crois qu'il la supporte un peu au moins que vous, la morphine. Que je t'aime tous. Que je t'aime. Oh, c'est que je t'aime, frérot. T'es la meilleure de Sista. Je me connais, c'est très bizarre. Oh, c'est je t'aime. Mais c'est très bizarre. J'ai mal à la morphine, je plane. Ça va aller. Bon, bon. Il est où? Oh. Excuse-moi de rigoler, c'est la morphine. Pourquoi tu rigoles de nouveau de ouf? Putain, ça va ou quoi, Hugues Hefner? Elles sont où tes pétasses blondes là? Aïe. Je sais pas. Il faut que tu fasses quelque chose pour moi de ouf. Quoi? Yoga pour tous. Il faudrait pas que ce soit ma deal, sinon ou le docteur comme d'habitude qui s'occupe de moi de ouf. Attends, je vais voir. Pendant que les médecins s'occupent de moi, Pombin, sa femme et ma dulcinée me préparent un plan d'évasion terrible de fou. Enfin, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qu'on m'a dit de ouf, que c'était un plan de ouf. Psst. Comment ça va? C'est pas les biscuits de les meilleurs gens que je connais de ouf. Je m'en allais sur petit ouf. Tu devrais lui faire un bisou, Beko. Ouais, c'est sûr que parce que je me sentirais déjà beaucoup mieux de ouf. Ah, bah, tu vois. Bah, faut qu'il soit tout le temps à côté aussi. Mais change de côté. Bah,
comme si je prenais un petit œuf, on se marie pas avec un petit œuf. Non, il y a des problèmes puisqu'il y a plusieurs gens qui mangent un petit œuf. D'accord. Sinon. Oui. C'est combien de temps on peut rester sans respirer dans un sac au petit œuf? Respirer sans. Hein? J'ai pas compris. C'est combien de temps c'est possible de mettre sa tête dans un sac et combien de temps on meurt des ouf, tu sais, plus ou moins 3, 6, 7, 12, 20, 30 minutes des ouf. Mais non, je crois que c'est pas longtemps. Pourquoi tu veux faire ça? Bon, j'avoue, mon plan était plus que merdique des ouf. Je voulais quoi ce que mettre dans un sac de mort des ouf, ne pas respirer, faire croire à tout le monde que j'étais mort des ouf. Après, je savais pas des ouf, mais le plan à me dulciner était plus que mieux des ouf. Elle voulait, vu qu'on allait se marier des ouf, faire passer qu'elle et moi, vu que qu'est-ce qu'on est marié des ouf, qu'on est venu qu'est-ce qu'un rendez-vous médical pour des scanners des ouf, et passer ni vu ni temps, ni vu ni connu aux yeux de la police des ouf. Bien. Ça va aller des ouf. Et toi, comment est-ce que ça va des ouf? T'es quoi des ouf? Oh, c'est connu, mais j'en ai pris 3. Si, ça va, merci. T'es le bordel, pour le moment, y a trop de flics qui peuvent pas sortir. Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit des oeufs. On me referme des essais de mort et des oeufs au moment où la mort des oeufs. Ça peut être dangereux, tu peux t'asphyxier dans le sac. Bah, mettez-le dans la couette. De toute façon, là, on va être deux à sortir pour aller récupérer nos trucs à la pharmacie, donc on va sûrement Ils attendent la sortie en fait. Ouais, on va sûrement les déranger. Ouais, ils attendent la sortie, c'est chiant. J'ai une idée. Qui attend devant la porte derrière là-bas. Allez. Ah. Pourquoi je t'avais marqué je me change. Je me mets en. Et je dis, je sors avec mon mari, il est venu faire une visite. Et il sort avec moi dans le parking, en bas. Ouais, mais est-ce qu'il a des vêtements? Trop change. Michel. Je pense qu'il y en a dans vos placards. Non, t'inquiète, je pense qu'ils en ont dans leur placard, non? Ouais. Truc. On doit voir ça, je vais aller voir. Merci. Ouais, je reviens. Je m'en fous de comment tu t'appelles. Je te jure. Non, mais c'est vrai. Qui ça? Bah, je sais pas, Quilla, un truc comme ça. Je m'en fous. Mais t'es une folle d'œuf, t'es pas dit. T'as raison, je crois que je deviens folle. Kyo, ça va, Kyo? Oui, c'est quelqu'un derrière les rideaux, tu peux fermer ta gueule d'œuf, s'il te plaît, d'œuf. Merci. Ouais, bon, c'est très moche, mais ça pourrait aider, quoi. T'as bien géré, franchement. Ah là, t'as dit quoi, scanner, humain? Oh, qu'est-ce qu'il y aurait de particulier, juste que il paraît que quoi, que la tumeur au niveau de ma jambe des ouf, elle va disparaître des ouf grâce à de la chimio des ouf. Ah, c'est bien ça, du coup. Oui, c'est bien des ouf. Attends, tiens-moi bien, parce que quand même, le docteur m'a fait beaucoup de scanners des ouf, et du coup, il a fait la piqûre des ouf. Ah, bah oui, effectivement, oui, t'as la jambe un peu. Il y a de la police, il s'est passé quelque chose pour donner le scanner des ouf. Bah, je sais pas, écoute. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Oui, qu'est-ce qui se passe des ouf? Nous, on sort du rendez-vous. Je viens pour moi. Oui, voilà, mon scanner des ouf. Je suis le mari du docteur des ouf. On est venu faire des scanners pour moi. Parce que, qu'est-ce qui paraît que j'aurais peut-être une tumeur des ouf au niveau de la jambe des ouf. Mais qu'est-ce qu'après de la chimio des ouf, tout va se régler et tout va rentrer dans l'ordre des ouf. Monsieur, vous avez besoin ou je peux partir? Allez-y. Merci. C'est ça. Merci beaucoup, mon pote. Je vais voir, 2 secondes. Bon, bah, au revoir. Au revoir. Bon, du coup, je te disais des oeufs. Le docteur, il était content pour les chimios des oeufs. Et, et du coup, tu t'es bon des oeufs, tu rentres dans l'ordre des oeufs. Et du coup, merci beaucoup des oeufs. Ah bah, c'est cool. Qu'est-ce que je vous avais dit que c'était du plan de génie des oeufs? C'est pas pour rien que ça m'a dulciné des oeufs. Bon, après, qu'est-ce que je décide? De quoi est-ce qu'il est de l'inviter à du restaurant des oufs? Mais vu que qu'est-ce que j'ai pas de pognon des oufs, je pense à une technique des oufs pour pas payer le restaurant des oufs.
Oui, c'est normal, c'est des rendez-vous pour le mariage des oufs. On choisit le traiteur des oufs pour le mariage des oufs. Ah ouf. Oui, bah ben oui. Oui, oui, oui. Comme si c'est au 17, peut-être qu'il nous fera goûter et manger gratuit des oufs. Ah oui, viens, on fait ça, vas-y. Bon. Il y a dit quelqu'un des oufs. Bonjour monsieur, dame, je suis à vous dans deux minutes. Oui, pas de soucis. Ok, deux minutes des oufs. Ok, il est... Okay. Les 09 ici, donc, ici, vous avez les petites fiches, d'accord. Vous prenez les petites fiches et après vous allez prendre la moto juste derrière. Et vous allez voir. D'accord. Là voilà. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Oui, c'est vrai, il est 10 des œufs. Dites les choses des œufs. C'est vous, comment on peut être des œufs? Ça va, allez-vous? Comment ça va? Oui, c'est vrai, des œufs. Bon, bon, alors, bon. Dites-moi tout, je l'écoute, vous, qu'est-ce que vous désirez? Alors, nous, on a une demande assez particulière des oeufs. D'accord, je l'écoute, vous. Donc, comme ça, parce que, voilà, parce que moi, je m'appelle Moussa des oeufs, je suis le plus beau gosse, et je suis tout le roi, et le plus beau gosse de tout le Santos des oeufs. Et à ma gauche des oeufs, vous avez Camille, ma destinée des oeufs. C'est la femme la plus parfaite et la plus parfaite de tout le Santos des oeufs. Très bien, je l'écoute, d'accord. Ouais, donc ouais, nous, on s'est rencontrés sur du coup de foudre des oufs. Et alors que quoi, ce qui pleuvait pas des oufs. Pourtant, il y a du coup de foudre qui est tombé des oufs. Donc, ma dulcinée et moi-même des oufs, on va, tiens-toi près des oufs, on va. Vas-y, devine, on va. Lui marier. Voilà des oufs, ouais, on va se marier des oufs. Bah, les félicitations là, franchement les félicitations, génial. Ah ça c'est les bien. Je vous offre les pizzas et les menus. Je fais pour les mains. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous désirez comme le menu, c'est moi qui l'offre. Bien sûr, je l'ai fait le complet avec les petits cafés italiens et les petits desserts italiens. Dites-moi tout. Alors pour me dessiner des oufs, c'est sa pizza préférée des oufs au saumon des oufs. Le saumon, d'accord. Allez, c'est parti. Le saumon, comme la boisson. Le saumon comme la boisson des oeufs? Oui, j'ai pas compris. C'est les boissons que tu les digérer, les boissons. Vrai, tu parles des oeufs? C'est bien, t'as pas eu besoin de gratter pour les menus. Et les boissons, c'est digérer quoi comme les boissons? Les limonades, les soda Pepsi. Et tu veux boire que des oeufs? Tu veux boire de l'alcool ou tu veux que ce que pas boire de l'alcool des oeufs? Un petit peu d'alcool, c'est bien, non? On veut du. Du rosé des oeufs? Ou du. Je suis le désolé, je n'ai pas le rosé. Attends des secondes, qu'est-ce qu'on m'appelle des oeufs? Oui, ma petite sister des oeufs? Ouais, c'est bon? Oui, c'est bon. Excuse-moi, des oeufs, je suis en train de commander le traiteur pour le mariage des oeufs. Le mariage de quoi? Mon mariage des oeufs. Tu vas te marier? Viens la pizzeria des oeufs. Bah, je viens comment? Mais t'es débrouillé, des oeufs. Il a dit d'alcool, mais j'ai pas d'alcool. On va te faire faim. Non, je t'envoie une chauffeur, Non, t'inquiète, c'est qui ta femme? C'est Camille des oeufs. Camille. Bah, c'est là qui t'es partie. Monsieur, dame, vous digérez les pizzas. C'est ta femme? C'est ma future femme. Elle est au courant que t'es son futur mari? Oui, si je vais marier, c'est qu'elle est au courant des oeufs. Ah, mais on sait jamais avec toi, Mosmos. Non, parce que moi, toutes les femmes avec qui. Non. De toute façon, j'ai jamais voulu marier des oeufs. C'est la première fois qu'on parle de mariage des oeufs. Parce que Nadine, on n'a pas parlé de mariage des oeufs. Parce que. Non, j'ai rien dit des oeufs. Mais t'as compris des oeufs? Bah, elle termine bien celle-là, ok? Oui, je te promets des oeufs qu'elle finira pas comme Nadine des oeufs. Ouais, mais pas comme Nadine, mais nulle part. Hein. Pas dans la case, pas dans un... Nulle part. Sur son lit de travail des oeufs, il y a de la marque des oeufs. Ok, vas-y. C'est bah, me sors bien. Bisous des oeufs. Vas-y, ça va. Excuse-moi, mes petites dessinées des oeufs. Ah, y'a pas de soucis, mon chéri. Donc, tu t'es commandé des oeufs? Bah oui, normalement, oui. Sinon... Oh, mon petit pote des oufs, pour revenir sur du mariage des oufs, on cherche du traiteur pour du mariage des oufs. Et très bien, chez les traiteurs italiens, vous voulez, chez les gentils, faites le plaisir de moi. Bon, vous êtes tous témoins. Tish m'a demandé de ne pas l'enterrer quelque part. Mais le reste, on n'a rien dit du tout des oufs.
Bon, pour la suite de la soirée des ouf, je vais pas trop vous expliquer trop que ce qu'on a fait des ouf, c'est un peu trop beaucoup intime des ouf. Oui. De toute façon, vous le découvrirez demain ou un autre jour des ouf. Sur ce, je vous dis quoi ce que à demain. Bisous, bisous les potes des ouf.